Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est là pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être mes achats de du salon du livre à Monstres. Voilà. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Je vais vous dire d'abord. Non, on va vous montrer et on va expliquer en même temps. J'ai des autrices trop mignonnes. Du coup, on va commencer par ce que moi j'ai été avec. Voilà. Et je suis trop contente de l'avoir rencontré, mon autrice phare de cette année, on va dire. Voilà. Du coup, j'ai été avec mes livres personnels. Je ne les ai pas achetés. Je vous ai déjà présenté. Enfin, vous avez certainement déjà vu en vlog. Mais voilà. J'ai rencontrer cette autrice, je vous montre. Elle est trop mignonne. Elle m'a fait. Ah, j'ai perdu ma dédicace sur les trois livres. J'ai pu parler avec elle de ce que j'avais pensé de ce livre. Et c'est un truc de ouf, ça fait du bien. J'ai eu, par contre, les petites cartes. Oh, les blanches, elle a des noms des personnages avec un petit texte derrière. Voilà, vous voyez les petits textes derrière. Voilà, j'ai eu les deux marque-pages. Elle avait plus le troisième, mais c'est pas grave. Voilà. Pour ceux qui l'ont, je vais les mettre là, qui auront déjà lu ces livres, je crois que c'est celui-là, le tome 1. Le tome 1. Elle est occupée à écrire une série sur ses livres. Du coup, j'ai l'impression de la voir. Ça, c'est le tome 2. Et ça, c'est le tome 3. Du coup, voilà, ça, c'est les livres que j'avais à ma possession, que j'ai lu, que j'ai adoré, que j'ai pu discuter avec elle. Elle m'a donné un sac avec son nom. Voilà, je vous mets son nom juste là. Franchement, et en plus, c'est une autrice belge. Elle est de Liège. Et c'est trop. Et du coup, je sais qui c'est. C'est là. C'est sa belle-sœur. Sur cette image, c'est sa belle-sœur. Oups, les marque-pages qui tombent. Voilà, j'ai trop contente de l'avoir découvert. Parce que j'avais trop apprécié. C'est mon coup de cœur de cette année. Du coup, voilà. Je suis trop contente. Je vais remettre les livres dans le sac. Enfin, je vais remettre ça. Je vais faire trop beau. Et après, tous mes achats se trouvent dans ce sac. Le sac que j'ai eu là-bas aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais tout vous montrer. Je n'en peux déjà plus. Du coup, je me suis pris ma bouteille que je bois à côté. Un Noël qui a du chien de Mérida, je sais pas dire, Renoir, je sais pas comment ça se dit, chez c'est Infinity Roman, mais c'est Bookmark dans leur collection roman d'hiver. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir. Je voulais juste les petites phrases d'accroche si ça vous intéresse. Voilà, alors que son monde s'écroule, Lou ne demande qu'une chose pour Noël, un ange gardien. Voilà. Et son ange gardien? Son chien? L'homme, peut-être? Je ne sais pas. On verra. Ce roman à découvrir dans la collection, ouais. Et c'est du feel good, Noël humour. Voilà. Hop. Parce que j'ai mis les goodies à côté, du coup, je vais essayer de. Hop, 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 hop. Dans la même collection, je me suis pris un papa pour Noël. C'est la même collection. Chez Bookmark dans la collection Romances d'hiver de Adèle Dia. Laurent Colline. J'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup ces couvertures dans cette collection qui est là. J'ai déjà lu Le chat chaleureux. Voilà, du coup,
Il faut que je retrouve mes livres de Noël pour vous faire une vidéo de ce que j'ai envie de lire. Enfin, tous les livres de Noël que je vais mettre dans la palle. Voilà. Et du coup, celui-ci, c'est du Feel Good, Noël et famille. Voilà, du coup, il me tente beaucoup aussi. Après, il y avait Emma Gray. Enfin, ceux qui écrivent Emma Gray. J'avais envie d'aller me le faire dédicacer. Sauf que quand j'ai vu la file, il y en a qui ont attendu plus de 3 heures pour la dédicace. J'ai acheté les livres mais j'ai pas fait la dédicace. J'espère qu'elle reviendra l'année prochaine et que je pourrai me faire la dédicace. Du coup, je me suis pris plusieurs de Emma Gray. J'ai pris Emma Gray envers et contre tout, toi et moi contre seconde partie de chez Addictif. Du coup, cela, je ne lis pas les résumés parce que je sais pas dans quelle ordre ils se trouvent. Il faut les lire. Du coup, il faudra que je regarde. L'un contre l'autre, toi et moi, la première partie. C'est de celle-ci. Du coup, voilà, elle avait laissé son bye boy. Elle découvre un big boss. Voilà. Je ne sais pas. Inclus 5 chapitres bonus. D'accord. Après, je me suis pris aussi un Emma Gray, comme ceci. C'est un des. Ce doit être, je ne sais pas lequel. Seul contre tous, toi et moi. Voilà. Je ne sais pas si c'est le premier. Ça doit être le premier, peut-être celui-là, la première partie et le deuxième partie. Seconde partie et première partie. Ou alors ces deux-là vont ensemble et celui-là va à part. Je ne sais pas. Franchement, si vous savez, dites-moi en commentaire. Ça m'aiderait bien. Voilà. Après. Je me suis pris celui-là que j'ai pas dédicace. Mais je l'ai laissé en plastique. Je vais le laisser. C'est Dera, Dev, chez Plume du Web, Isle. Ça m'emmerde le plastique. On le voit, non? Mais je voulais pas parce que ça l'abîme pas au moins, mais. Il est trop beau, j'aime beaucoup. J'ai profité parce que la plume du web était là et du coup j'en ai pris quelques-uns. Du coup, voilà, il est trop beau. J'ai eu, je crois que j'ai pas de marque-page, une petite carte avec. Voilà. Comme je l'ai là. Je vais le mettre dans le livre. Voilà. Comme tu useras de marque-page. Après, encore un Emma Gray. Le gros bricasse, c'est de ma vie en vrai. Des magrets chez Addictif. Voilà. Du coup, pas de signature. Juste un petit marque-page comme ceci. De la. Ça là, ils ont. C'est juste la librairie, du coup, voilà. Après, je me suis pris chez Plume du Web. J'ai mon sac qui va partir. T2. Que j'ai entendu beaucoup de bien. Je me suis pris le tome 1. J'ai eu une illustration. Elle est trop belle. Une dédicace. Et le marque-page. Voilà. Après, je vais vous parler de ces deux-là. D'abord, c'est celui-là. J'ai pris Fabuleuse Las Vegas, la Vegas de Natacha Pilorge. Voilà, une dédicace et un marque-page. Je suis trop contente, j'ai trop envie. Ça va se passer à Las Vegas. C'est un auto-publié celui-ci. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris à part. Parce que l'autre, c'était dans la maison aussi, Plume du Web. Et du coup, voilà. Mais là, j'ai deux. Je sais plus. Je crois que c'est ça que j'ai eu. Je vais regarder. J'ai des goodies avec, mais je ne sais plus. Toujours dans. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai eu le livre, la dédicace, un marque-page. C'est ça, un marque-page. Il est trop beau en plus. Voilà. J'ai eu un petit magnète pour mettre sur le frigo que je vais aller mettre. Un petit, je vais déposer, pins. Voilà, que je mettrai aussi. Du coup, voilà. Faut que je recule. Et avec, ouais, je vais vous montrer l'autre après. Ah oui, j'ai pas vous montrer. J'avais eu le
Poppins avec Cher Père Noël. Voilà, qui vient avec les livres de Mère Noël. Voilà, là, je vous les ai montrés. Et du coup, en fait, il faut lire celui-ci. Et après, il y a celui-ci chez Plume du Web, qui est un peu la suite, c'est le même personnage. Comme elle a dit, ils sont spin-off l'un à l'autre, on peut les lire indépendamment. Mais normalement, c'est celui-ci et puis celui-ci, voilà. C'est les mêmes héros, enfin, même héros. Du coup, c'est Las Vegas Univers Group. Je vous montre. C'est aussi de Nathalie Pilorge. Moi, les noms, c'est deux. Voilà. Celui-ci, il y a un au jeu de l'amour et de l'horde. Sortira-t-il gagnant? Il me donne très, très, très envie de lire, je pense. Ceux-là, ils vont pas faire long feu dans ma palle. Du coup, je ne vous ai pas montré, mais... Ah, oh, ben, j'ai eu deux fois. J'ai eu le marque-page, le magnète, et j'ai lu... Deux marque-pages, c'est pas grave, je vais laisser un dans le livre et un que je vais utiliser. Du coup, j'ai ma petite dédicace, je suis trop contente, vous voyez la pile. Et il m'en reste plus beaucoup à vous montrer. Je vais retirer le sac. Il me reste, ah oui, il y a celui-là aussi à montrer. Le Emma Gray aussi, fais-moi une place. Voilà, ben, celui-là, pas dédicace. Je sais plus à qui j'ai eu celui-là. Je ne sais plus à qui j'ai eu. Mais j'ai eu un... Je pense que j'ai eu à celle-ci. Avec Natacha. Et du coup, j'ai eu un petit... qui a le porte-clés, l'attache. Et des petites boules roses que j'aime beaucoup. Je crois que je vais mettre à mon porte-clés. Voilà, que j'ai eu. Ah oui, il y a ceux-là que je dois vous montrer. Il est là. Vous l'avez pas vu? Du coup, après, au début, à l'entrée, j'ai fait directement cette dame-ci que j'aime beaucoup. Je vous, dans le montage, je vous essayerai de vous mettre la photo parce qu'avec elle, j'ai eu une photo. Et là, j'avais craqué pour celui-ci. Sex Challenge chez... Je sais même pas c'est quelle maison d'édition. Alerte, je sais pas. Du coup, j'ai eu le marque-page, la illustration des personnages, la petite signature, enfin dédicace. Et je prenais celui-là et elle me disait, je vais vous descendre ça parce que c'est chiant, que si j'en prenais deux, j'avais droit à un petit cadeau. Et il y en a un qui me tentait, mais c'est pas dans mon univers de lecture, mais je sais pas pourquoi, il m'attire. Du coup, je me suis pris celui-ci, la même autrice. Je vous ai même pas dit le nom de l'autrice, c'est Sarah Juna. Voilà, porteur d'âme. Voilà, c'est un peu de la fantaisie, de la romance de Sarah Juna. Tome 1, la marque du puma. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup, vous avez vu, j'ai la petite carte, la marque-page, la dédicace. Et après, j'ai pris un petit cadeau. Du coup, c'est une petite figurine de une biche avec des petites paillettes comme ceci. Et je trouvais trop mignon, bien détaillé, je trouvais. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Et en même temps, j'ai pu avoir un petit porte-clés que là, c'est un loup. Je ne sais pas si vous allez voir les détails qu'il y a dessus. Là, comme ça, vous allez peut-être le voir. Vous avez des sapins, une montagne, le loup, la lune. Je l'aime beaucoup. Et c'est un porte-clés. Voilà. Ah. Du coup, celui-là, j'ai peur de le mettre et de le casser parce que c'est tout fin. Voilà. Lui, j'avais trouvé sa place. Hop là. Voilà. Et voilà pour ça. J'avais... Ça, je vais les retirer. Ah, un bon de 5 euros que j'ai utilisé de là-bas. De la maison d'édition. Je vous la montre là. Voilà. Et bah, là, voilà la maison d'édition. Si ça vous dit, je vais faire ça parce que je...
Hop, je vous mets tous les détails, vous pouvez les trouver. Si vous voulez, je vous mets plus près, vous tapez sur le code juste ici. Voilà, j'essaie de pas bouger, comme ça vous savez. Comme ça vous tombez sur le site. Voilà, il y a le site internet. Du coup, il y a de la fantasy, de la romance paranormale. C'est ça, ça c'est de la romance paranormale. Du coup, je me dis pourquoi pas tester la du urban fantasy et du suspense fiction. Voilà. Et alors, il y a trois maisons d'édition en fait. Je sais pas si vous voyez là une maison d'édition, celle que je vous ai dit. Il y a celle-là, que je sais pas, Rela Love, Nous Adultes, New Adult, Suspense à Romance. Et l'autre, c'est Thriller, Polar et voilà. Mais vous avez tout si ça vous dit. J'essaierai de vous mettre des infos en barre d'infos, mais je suis pas très sûre que j'arriverai. Voilà. Du coup, je ne sais même pas. J'avais eu des cartes. Je crois que je vous ai même pas montré avec le livre de Las Vegas. Maître de la romance dans notre vie. Natacha Perroy. Je sais pas comment ça se dit. C'est des cartes normales comme ça. Et ils sont vertes derrière. Voilà. Et ben j'ai apprécié cette... ce salon, j'étais très contente d'y avoir été. J'espère qu'ils reviendront l'année prochaine. Et j'ai découvert des super personnes. J'ai discuté avec trois autrices que je ne sais pas encore, que j'ai pas lu, mais que j'adore déjà leur personnalité, leur voilà. Et sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez été au salon. Dites-moi s'il y a un livre qui vous intéresse, qui vous donne envie, ou un livre qu'on peut lire ensemble. Voilà, franchement, n'hésitez pas à découvrir toutes ces autrices qui sont trop sympas, trop gentilles. Et un peu triste de ne pas avoir pu faire dédicacer et malgré. Mais c'est à la prochaine fois. Je ferai plus attention, j'irai devant pour récupérer la première place. Je les aurais lus aussi, parce que j'en ai pas beaucoup lu de Emma Gray. Mais elle est quand même bien, ils sont bien connus, ces deux. Ça c'est écrit à quatre mains. Ouais, je dis pas de conneries. Et je vais essayer de lire le plus pour les voir et pouvoir en parler avec eux. Et ça c'est très chouette de pouvoir en discuter. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas, je vous réponds avec plaisir, même si c'est pas tout de suite, parce que je ne regarde pas toujours non plus à l'instant T, mais n'hésitez pas à la mettre, je vous réponds avec plaisir. Et ça fait du bien au moral de voir qu'il y a des petits commentaires dans la petite vidéo. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas de venir me parler sur Instagram, que je vous mets juste le lien ici, c'est bébéclochette10. N'hésitez pas à me retrouver pour parler avec moi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Bisous bisous.